Communication avec le monde intérieur Communiquer avec vos amis non physiques n'est pas vraiment différent de vos échanges avec vos amis terrestres, et bon nombre des traits caractérisant une bonne communication s'appliquent également dans ce cas. Avant de prendre contact, il est souhaitable d'avoir au moins une idée générale de ce dont vous aimeriez vous entretenir, car vous avez alors accès à un très vaste réservoir de pensées et de connaissances. Tout comme vous n'iriez pas vous adresser à une bibliothécaire en poste à l'accueil en lui disant "Bonjour, j'aimerais avoir un livre s'il vous plaît", il est préférable de vous borner à quelques sujets précis dans chacun de vos contacts avec le monde non physique. Alors qu'Esther en était à ses premières communications spirituelles, il lui arrivait souvent de vouloir entamer une conversation avec nous tard le soir, tandis qu'elle était étendue aux côtés de son partenaire endormi. Abraham, parle-moi, disait-elle. De quoi aimerais-tu parler? Oh. Je ne sais pas, choisis le sujet. Esther, endors-toi, lui répondions nous alors. Voyez-vous, vous attirez les expériences de votre choix. Nous avons appris que lorsque nous vous fournissons de l'information n'ayant pas au préalable été demandée, celle-ci ne sert à rien puisque c'est vous qui déterminez ce que vous désirez vivre. Quand vous exprimez une demande précise, vous êtes plus ouvert à ce qui est offert. Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous aimeriez discuter avec votre contrepartie non physique, puis posez une question à votre être intérieur et écoutez avec la ferme intention de recevoir l'information relative au sujet abordé. Plus vous aurez clairement défini ce que vous désirez comprendre, plus ce que vous recevrez en retour sera clair. Établissez le calme intérieur en préparation à la communication, mais ayez l'esprit alerte et réceptif une fois le moment venu de communiquer. Beaucoup de gens croient à tort que la communication ne se déroule que par le truchement de paroles échangées, mais il ne s'agit là en réalité que d'une infime portion de toutes les communications survenant dans cet univers. Même dans votre monde physique, l'essentiel des idées communiquées est davantage le résultat d'une transmission de pensées de paroles exprimées de vive voix. Pour recevoir des informations en provenance du monde intérieur, vous devrez les entendre avec votre esprit plutôt qu'avec vos oreilles. Et, comme pour toute autre expérience nouvelle, il est nécessaire de s'y exercer afin de bien s'y ajuster. Dans notre monde, nous ne recourons pas à des mots ou à des expressions pour exprimer notre pensée. Nous n'employons pas votre langage. Nous émettons des blocs de pensée purs et universels qui sont comprises par tout ce qui existe. L'homme présume, souvent incorrectement, que les mots ou le langage sont nécessaires à une communication limpide. Vos très jeunes enfants, qui ne sont pas encore capables de parler, reçoivent de vous des blocs de pensée très clairs. Même s'ils ne comprennent pas toutes les subtilités de vos propos, ils saisissent pour l'essentiel ce qui se passe dans votre vie et ressentent continuellement l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Vos animaux ne parlent pas non plus, mais ils perçoivent aussi vos pensées et celles des autres animaux. En réponse aux questions que vous lui posez, votre être intérieur vous enverra un bloc de pensées que vous recevrez dans votre subconscient et traduirez en quelque chose de compréhensible pour vous. Celui ci pourra prendre la forme d'un savoir intuitif, d'une impulsion, ou d'une série de mots. Une bonne partie de votre apprentissage consistera à améliorer votre aptitude à déchiffrer ces blocs de pensée et à en exprimer le sens en des termes qui vous sont familiers. Au début, votre communication consciente et délibérée avec votre être intérieur pour apparaître très rudimentaire. Vos mouvements physiques sembleront gauches et vous ne formulerez que des phrases de un ou deux mots. Mais plus vous passerez de temps dans un mode réceptif, plus votre aptitude à recevoir s'améliorera. Il est aussi possible que vous éprouviez de la difficulté à séparer vos propres pensées de celles émises par votre être intérieur, mais avec le temps, la discussion deviendra très évidente pour vous. Vous remarquerez rapidement que les pensées provenant de l'intérieur sont stables et déterminées, presque rythmiques, tandis que vos propres pensées sont plus souvent sporadiques et agitées. Votre être intérieur a plus de facilité à ne pas dévier du sujet alors que vos pensées conscientes sautent rapidement d'une chose à l'autre. Si votre intention de recevoir avec clarté a été très fermement affirmée et que vous permettez néanmoins à vos pensées conscientes d'entraver ou d'étouffer ce qui vient de votre être intérieur, vous éprouverez alors un profond malaise à l'égard de ce que vous recevrez. Vous serez envahi par le doute, agité ou irrité. Ce ne sera pas une expérience satisfaisante. Il vous suffit alors de réaffirmer votre intention de recevoir avec clarté pour rétablir la communication et régulariser le flux des pensées. Avec le temps, les messages de votre être intérieur deviendront limpides et tout à fait indéniables en votre esprit, ce qui facilitera l'acceptation de ce qui vous sera proposé par cette guidance intuitive. Bien que vous n'en ayez pas eu conscience, ce canal de communication existe depuis l'instant de votre émergence dans ce corps. Chacune des émotions que vous ressentez est en réalité une communication transmise par votre être intérieur. Puisqu'il a accès à l'ensemble des centres d'énergie de votre appareil physique, il a la possibilité de produire en vous diverses sensations physiques. tout comme vous disposez de récepteurs sensoriels au bout de vos doigts, afin de les protéger contre les objets tranchants ou brûlants, votre être intérieur suscite souvent en vous des sentiments ou des émotions destinées à vous guider dans vos choix. L'inconfort de la douleur dans vos doigts déclenche un mouvement de retrait, empêchant ainsi un tort plus grave. De même, une émotion négative est transmise, dans le but de vous éloigner de ce qui n'est pas à votre avantage. Vous en êtes venu à définir vos émotions d'une façon à la fois générale et détaillée, mais elles peuvent toutes être regroupées en deux catégories seulement celles grâce auxquelles vous vous sentez bien et celles mmh. engendrant un malaise. Et ces émotions existent parce que votre être intérieur a transmis l'impulsion d'une pensée qui a déclenché la réaction physique voulue au sein de votre corps physique. Votre être intérieur est constamment disponible pour vous aider à obtenir ce que vous avez choisi et à éviter ce qui ne vous convient pas. Il sait quels sont vos principaux objectifs et lesquels sont plus importants que les autres. Non seulement votre être intérieur considère-t-il les facteurs relatifs à cette expérience physique, mais il se souvient des intentions que vous aviez lors de votre émergence en ce corps. Il tient donc compte de chacune d'elles dans l'élaboration de la guidance qu'il vous offre. En somme, il est éternellement conscient de tout ce qui se passe en vous. Il vous guide au moyen des émotions qu'il vous transmet afin de vous aider à savoir dès l'instant où émerge l'émotion, si vous faites ou non ce que vous désiriez accomplir. Une fois que vous aurez accepté l'existence de votre être intérieur et la perpétuelle expérience de croissance dans laquelle vous êtes engagé, vous pourrez reconnaître l'incroyable source de sagesse, de clarté et de force qui vous habite. Vous possédez déjà tous les talents et aptitudes que vous désirez avoir. Il vous suffit simplement de leur permettre de faire surface.